Williams. Bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. C'est quoi ce parfum? Ça, c'est ton plat préféré. Vu qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire, alors j'ai pensé à... Wow, bonté divine. Quoi? Il vibre depuis un moment. Oh mon Dieu, je dois partir. Où est-ce que tu vas? Au bureau. Mais c'est samedi aujourd'hui. Je sais, mais quelque chose est survenu. Ils ont besoin de ma présence aussitôt que possible. Tu aurais dû me réveiller plus tôt, bébé. Mais pourquoi tu... À propos d'aujourd'hui, je pensais qu'on allait le passer ensemble. Ouais, bébé, nous le ferons. Mais
Je dois arriver au bureau. Je dois faire un travail et je serai de retour avant même que tu ne le saches. Au moins, prends ton petit déjeuner. Ouais, je vais le faire quand je rentrerai. Salut, ma chérie. Salut, Annie. Et quelqu'un doit être en train de passer du bon temps avec son mari. Joyeux anniversaire, néanmoins. Merci. J'imagine que ton mari te fait passer les meilleurs moments de ta vie. Chérie, ce n'est pas ce à quoi on s'attend d'une femme heureuse. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, disons que j'attends qu'il rende la journée heureuse. Je ne comprends pas. Où est-il? Au travail. Un samedi? Exactement, ma pensée. Où est-ce que tu es? Je suis dans ma boutique. Tu veux venir? Non, je vais l'attendre encore. Merci de m'avoir appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. C'est bon, nous savons tous que ce n'est pas facile d'être marié ou rester marié. Vous êtes courageux. Allez, de l'avant, joyeux anniversaire tout de même. D'accord, bye. Bonjour, Madame Williams. Bon week-end à vous. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que mon mari est encore au bureau? Au bureau? Je n'en suis pas sûre. C'est le week-end. Il y a un problème? Ce n'est pas grave. Shh.
J'arrive. Tout de suite. Mais tu m'as dit qu'il t'a dit qu'il allait au bureau, n'est-ce pas? Elle m'a dit. C'est le week-end. Ça veut dire que le bureau est fermé. Chérie, tu dois te calmer. Me calmer? Je t'ai parlé du rêve que j'ai fait le jour de notre anniversaire. Allez, comment peux-tu te déranger autant à cause d'un simple rêve? Parfois, il s'en va au bureau, ou peu importe où il s'en va, comme s'il était l'employé le plus assidu. Franchement, tu en fais un peu trop dans cette histoire. Je t'assure. Pas du tout. Pouvons-nous parler d'autre chose? Parce que plus nous parlons de ça, plus tu te mets en colère. De toute façon, là, à l'intérieur, j'ai un nouvel arrivage. Des belles choses, tes couleurs préférées sont aussi là-bas. Allez, on y va. Tu es sérieuse? Je te parle de quelque chose de sérieux, de ma vie, de mon mariage. Et toi, tu veux juste mon argent? Allez, viens, ça va te calmer. Hey! Mon amour, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu rentrer tôt. J'avais beaucoup à faire. Il s'agit de la construction de la route. Au bureau? Oui, au bureau. Non, on a quitté le bureau parce que on devait aller voir comment le projet... Non, je vais sur la table. Je suis désolé. Quelque chose n'est pas clair. Bébé, le repas est servi. Bébé! Tu m'as appelé? Le repas est servi. Ok.
Le téléphone ne va pas s'enfuir, Williams. Je suis désolé, c'est le travail. C'est méprisant, tu sais. Quoi? C'est quoi ça? Bébé, j'essaie juste de finir ce travail. Arrête de mentir, Williams. Tu chattes avec ta maîtresse. Je suis pas un enfant, alors arrête de faire semblant. Que veux-tu dire par « je suis en train de causer avec ma maîtresse » Tu te fous de moi, là? J'ai l'air de blaguer avec toi. C'est juste le travail. C'était quoi ça? Pourquoi est-ce que tu m'as hurlé dessus? Je n'ai pas crié. Tu l'as fait? Je ne l'ai pas fait. Tu m'as accusé d'écrire à une fille. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? William, étais-tu vraiment à ton bureau samedi passé? Bien sûr que j'y étais. Vas-tu y arrêter? J'y étais! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'y étais pas. J'ai reçu l'information de quelqu'un qui travaille à ton bureau. Tu as appelé quelqu'un pour savoir si je... Quand as-tu commencé à avoir des doutes? Qui as-tu appelé? C'est pas important. Qui as-tu appelé? Jane. Jane. Qu'est-ce qui est drôle? Bébé, Jane ne travaille plus avec nous. On l'a virée après qu'elle se soit battue avec un client. Chérie, vois-tu, l'amour sans la confiance, c'est comme une feuille dans le feu. Chasse ces idées d'avoir une maîtresse, de mentir, chasse-les de ta tête. C'est toxique, ça nous tue. Il a fini par me faire croire que je n'avais aucune raison de me mettre en colère. Peut-être parce que c'est l'occasion. Bien sûr que non! Il est sorti le jour de notre anniversaire de mariage. Il a menti qu'il allait au bureau et quelqu'un a dit que le bureau était fermé. Quelqu'un qui ne travaille plus là-bas. Allez, Clarisse! Pourquoi est-ce que tu donnes une chance aux mauvaises idées dans ton cœur? Ça ne sert à rien de te parler. Ça sert. Écoute, je comprends que tu continues à nourrir ce sentiment que ton mari pourrait avoir une liaison extra-conjugale, mais pas le gars que je connais. Ton mari est mille fois mieux que cela. Ne peux-tu pas le voir? Bébé, pas ce soir.
Je dois me réveiller tôt. Je vais m'être réveillée. Tu sais ce que je veux dire. Je dois représenter mon entreprise à la conférence demain. Je dois bien me reposer. Bien. Bonne nuit. Bébé, ne sois pas comme ça. Essaye de me comprendre. C'est pour ça que je t'ai dit bonne nuit. Bébé. Je suis prêt. Tu t'en vas vraiment? Bébé, on en a parlé. Je dois représenter mon entreprise. C'est juste une conférence d'une semaine. Qu'est-ce que tu espères que je fasse pendant ton absence? Tu vas aussi me manquer. Je t'appelle dès que je suis à l'hôtel. Répond toujours pas. Peut-être qu'il est occupé. Nom de Dieu, voici le troisième jour. Le troisième. Ma chérie, tu m'as dit qu'il t'a appelé quand il est arrivé là-bas. Tu ne vas pas me dire qu'il ne peut pas sacrifier 24 heures dans un jour pour rappeler la femme qu'il prétend aimer? Ne me dis pas ça. À moins que... Arrête ça! Clarisse, arrête! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton mari t'est fidèle. En fait, j'ai apporté le nouveau stock que tu as demandé. Quand viendras-tu les voir? Clarisse, je suis en train de te parler. Ne m'as-tu pas entendu? Je devrais peut-être changer de comportement. Pourquoi? Il me trompe. Mais il ne veut toujours pas l'admettre. Peut-être c'est parce que je suis calme et affectueuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, pour chasser la souris de la maison, tu dois réchauffer la maison. Clarisse, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Thank you.
comment tu vas? Franchement, ce voyage était l'un des meilleurs. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Tout le monde m'a donné, je dirais, un bon accueil. C'était incroyable. J'entrais dans des grandes choses, tu sais. J'entrais dans la grandeur. Chérie, t'ai-je montré les choses que j'ai achetées dans la boutique d'Annie? Tu vas les adorer. Elles sont tellement jolies. Bébé, je te parle. J'ai entendu, tu veux me montrer tes vêtements. Bébé, pouvons-nous faire ça une autre fois, s'il te plaît? Pourquoi pas maintenant? Mon cœur, ne nous chamaillons pas pour ça, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour. Je ne dois pas me soucier du fait que tu y es engagé avec des gens qui sont plus importants que moi, apparemment. Mon cœur, il n'y a personne qui est aussi important que tu l'es pour moi. C'est quoi son nom, William? Pardon? Quoi? Son nom. Oh, bébé! Est-ce que tu t'entends parler? Bonjour, mon ange. Bébé, je suis désolé, c'était un appel d'affaires. Un appel d'affaires que tu ne peux pas répondre devant moi? Oh, chérie, pourrons-nous avoir cette discussion quand je vais rentrer du travail? Je suis déjà en retard. Hein? Le petit déjeuner est servi. On en discute quand je rentre. Hein? Porte-toi bien. Je suis vraiment, vraiment désolée, ma chérie. Ce n'est rien. Madame William. Dégage. Ce nom seul a du pouvoir. S'il te plaît, moi, servis le jus. Merci. Cela me revient à l'esprit. As-tu éclairci tes doutes et tes inquiétudes sur ton mari? Mon mari? Ça s'empire, plus le temps passe. Tu n'es pas sérieuse? Bien sûr. C'est pour cela que j'ai réfléchi sur ma prochaine décision. Attends. Tu veux dire ce que tu m'as dit que tu allais faire la dernière fois que tu es venue dans ma boutique? Ouais. Pas encore. Nous savons toutes les deux que cette décision ne te mènera nulle part. C'est pas vrai. Ok. Disons que ton mari te trompe. Bien que je pense qu'il ne pourra jamais le faire. Tu ne crois pas qu'en l'ignorant et en refusant de faire ses repas empirera la situation? Non. Au moins cela, ça lui fera réaliser qu'il peut me perdre. Alors il va changer. Et tu y entres d'emprunter le mauvais chemin, ma chérie. C'est le cas. Ne t'en fais pas. Sois patiente. Relaxe.
Et attends pour mon témoignage, tu sais. J'espère que je ne vais pas sécher les larmes également. T'es folle. Salut, bébé. Bébé, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé au bureau. Après la représentation finale, ils sont allés en pause. Et quand ils sont rentrés de la pause, devine quoi? Ils ont récompensé 2 nouveaux contrats. Et en ce moment où je te parle là, ce sont des contrats très lourds, hormis ce qu'on gère déjà. Nous avons 2 de plus qui nous attendent sur un plateau en or. Bien pour toi. Bien pour moi. Tu n'as pas l'air heureuse d'entendre la nouvelle. Je le sais. Bébé, les conférences, les multiples invitations, les réunions tard dans la nuit. Tout a payé. Bonne nuit. Bonne nuit. Son nom. Qu'est-ce que t'as dit? Son nom, Williams. Bébé, ne sois pas ridicule. T'as envie de moi, n'est-ce pas? Alors dis-moi son nom, ok? Je sais que tu vois quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas en colère contre toi. Parce que je sais que des fois, des hommes sont accros aux aventures hors mariage. Donne-moi juste son nom, c'est tout. Bébé, il n'y a personne. C'est juste toi. Je ne sais pas où tu as pris ces idées que je vois quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est Julia? Maria? Bonita? Ai-je bien deviné? Bébé, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a personne d'autre. C'est juste toi. Bonne nuit. Bébé. Bébé, tu sais que tu m'as manqué. Est-ce qu'elle s'appelle Elisabeth? Oh, pas de soucis, bonne nuit. Bébé, il n'y a rien à manger pour moi sur la table. Tu as faim? Oui, et il est presque 11h et le petit déjeuner n'est pas prêt. Oui. Tu peux gêner, n'est-ce pas? Parce que on dirait que tu vas jeûner pendant un jour. Jeûner? Mais pourquoi est-ce que je dois jeûner? Bébé, est-ce que tu te fous de moi? C'est pas du tout drôle pour un homme affamé. Ou alors, tu peux lui demander de faire ton petit déj. Ou tu peux y aller chez elle pour avoir ton petit déjeuner. Ouais. T'inquiète, t'auras pas à me mentir que c'est pour une réunion d'affaires, t'inquiète pas. Bébé, j'ai faim. Je dois manger. Bébé?
Mais est-ce que tu me laisses délibérément mourir de faim? Est-ce que tu vas accepter que tu as été attrapé? Attrapé en train de faire quoi? C'est quoi son nom, William? Oh, Seigneur. Donne-moi juste son nom et dis-moi ce qu'elle fait pour toi que je ne fais pas. Et je ferai ton petit-déj, promis. Je te le promets. Tu as perdu la boule. T'es folle. Parce que voilà les signes de la folie. T'es devenue dingue. Voilà les signes. Oh, waouh, super. Esprit de stagnation. Tout esprit dans ce corps qui n'accepte pas l'évolution, sors! 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 Bébé. Bébé, ce n'est pas juste. Je ne peux pas manger des amuse-gueules toute la semaine. Voici le troisième jour que tu ne me fais pas manger. Et tu ne me parles même pas. Sais-tu ce que je ne comprends pas? C'est le pourquoi es-tu aussi catégorique. Le jour que t'es allé au bureau, je savais que tu n'y étais pas. Tu étais allé la voir. De qui est-ce que tu parles? Parce que je ne sais pas de qui est-ce que tu parles. Je parle de la femme qui a décroché ton appel à l'hôtel. Je t'ai déjà dit que c'est une employée. J'ai laissé mon téléphone avec elle pendant la présentation. Mensonge. Juste, laisse-moi tranquille, ok? Quand tu seras prêt à me dire la vérité, alors on parlera. Tu peux me masser maintenant? Vraiment? Ça fait 28 ans que je suis comme ça, homme de Dieu. Hey! Dieu vous bénisse. Hey! Waouh! Il a réussi à... Oui! Le Seigneur est bon! Oui, le Seigneur est bon! Faites quelque chose pour le Seigneur! Dieu est miraculeux! Il est merveilleux! Il y a ce
ce merveilleux restaurant que j'ai découvert juste là, au bas de la rue. Je n'ai jamais mangé une nourriture aussi délicieuse auparavant dans cette ville. Je t'assure, ils sont très bons. Tu en veux un peu? Tu en veux? Tu pourrais l'avoir, hein? Ok, je vais t'en donner un peu. Arrête-moi ces conneries. Tu as dit que tu allais me taper. Tu vas me taper. S'il te plaît, tu vas me taper. Non. Tu vas me taper. Je dis que tu vas me taper. Tu vas me taper. Je voulais te taper. Pour raconter des choses sans mesurer l'ampleur. Tu vas me taper. Hé, mes frères, venez me voir la sorcellerie. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, crois-moi. Tu n'es que mon frère. J'arrête de penser qu'il est arrivé jusqu'à ce niveau. C'est tout ce que tu as dit. Je sors de la maison. Tu crois que je ne suis pas intelligent? Tu vois cette maison? Toi et moi allons mourir dans cette maison. Je te jure, nous allons mourir dans cette maison. Tu me prends pour une folle? Et tu oses même rire. Tes égos donnent 80 000 naira à leur épouse. Et toi, tu es là, à chaque assez. Tu vas me taper aujourd'hui. J'ai manqué ton appel. Désolée, j'étais occupée avec un client. Alors, comment tu vas? Ça n'a pas l'air de marcher. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Il ne mord pas à l'hameçon. De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai dit que j'allais jouer le silence avec lui, n'est-ce pas? Pas vrai? Et je t'ai conseillé de ne pas le faire. Écoute-moi. J'ai arrêté de lui faire ses repas, laver ses vêtements, le toucher pendant une semaine. Juste pour qu'il admet le fait qu'il me trompe. Tu y as fait quoi? Ça, c'est fou. Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que tu espères en le faisant? Est-ce que tu peux m'écouter? Il me trompe, je le sais. Une femme a décroché son appel. Je veux juste qu'il confesse pour prouver mon doute. Mais on dirait qu'il a trouvé un moyen pour éviter mon embuscade. Tu utilises même les termes de la guerre. Embuscade. Hameçon. C'est mal dans tous les sens, ma chérie. Que veux-tu que je fasse? Croiser les doigts? Cuisiner pour lui? Être une épouse vaillante et bienveillante pendant qu'il couche avec une autre femme? Et si c'est juste ton esprit qui te joue des tours? Mon esprit n'est pas en train de me jouer des tours. Il me trompe, je le sais, je dois le pousser à confesser. Comment? Tu viens juste de me dire qu'il évite tes attaques. Ton silence et ton refus de cuisiner pour lui ne marchent pas. Alors j'avancerai au niveau 2. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Ça, c'est ce que font les ados quand ils sont dans une relation, mais toi, tu n'es plus une enfant. Merci pour le conseil. Bye.
Annie, je ne peux plus faire ça. Faire quoi? Éviter mon mari. Ne plus lui parler. Ne plus cuisiner pour lui. Ça ne marche pas. On dirait que plus je le fais, plus j'ai l'air d'une folle. Ok. J'ai l'impression de vraiment perdre mon mari à chaque action. Je ne sais même plus ce qu'il planifie, parce qu'on ne se parle plus. Je me sens perdue. Je sens que ce n'est pas le mariage que j'avais prévu pour moi-même. C'est tellement hilarant. Parce que je t'ai dit ces mêmes choses. Mais tu as décidé d'aller en mode silencieux. Mais tu n'es pas là. Tu ne fais que prêcher. Comment je peux t'aider à punir ton mari pour un crime dont je ne suis même pas sûre qu'il ait commis? Comment? Ok. Aide-moi juste, ok? Nous avons grandi ensemble. Hein? Nous sommes comme des sœurs. Tu viens de te rendre compte? Fais pas attention à moi. Ok. Au lieu de te plaindre et continuer avec ta fameuse opération silence, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas aimante? Oui. Sois gentille. Comment c'est censé aider? Pour qu'un homme trompe sa femme ou sa copine, il faudrait qu'il ne la trouve plus attirante comme au début. De toute façon, il pourrait bien y avoir d'autres raisons. Mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas de le faire tomber de nouveau amoureux de toi? Fais-le te désirer. Fais-le tomber amoureux de toi. Explique. Porte des vêtements sexy. Et cuisine-lui ses plats préférés. La dernière chose, mais pas la moindre. Donne-lui un bon coup. Un bon coup au lit. J'ai dit un très bon coup. Attends une minute. Tu veux dire que je dois recommencer à faire toutes ces choses pour qu'il revienne? T'es pas sérieuse. Je le suis. Ma chérie. Il y a cette façon spéciale et que tu vas chevaucher ton homme au lit. Il sera tellement épuisé qu'il ne pensera même pas regarder d'autres femmes. Quand je veux dire, donner un bon coup. Genre, chevaucher le cheval debout, le chien qui bouge, ou autre chose du même genre. Fais-moi confiance, je t'assure. J'arrive pas à croire que ceci sort de ta bouche. Concentre-toi sur la partie la plus importante. Je n'arrive pas à croire que tu l'as dit, pas du tout. Fais ton devoir.
Bienvenue à la maison, mon amour. Tu as sûrement eu une journée très stressante. Je vais réduire ton stress. Détends-toi. Oh mon Dieu. Ok, viens là. Ok, eh bien, maintenant, tourne-toi. Est-ce que quelque chose est arrivé en mon absence? Pourquoi? Reste tranquille. Je vais te donner un massage qui détend les nerfs. Un très long massage. Ouais, mais... Bébé, détends-toi, ok? Ok. Je vais réduire ton stress. Ouais. Merci bébé. Franchement, j'avais vraiment besoin de ça. Pas besoin de me remercier. C'est mon devoir en tant que femme. S'il te plaît, c'est mon partenaire au bureau. Je dois décrocher. Important avec ses appels qu'il ne peut pas les décrocher en ma présence. Désolé. Il voulait me rappeler la réunion d'équipe demain. Oui, alors, est-ce qu'on peut continuer? Thank you.
tu peux m'entendre? Où es-tu? Est-ce que je peux te rappeler? Cet endroit est bruyant. Ah. Allô? Ma puce, voici l'un de mes nouveaux arrivages. Cette tenue rouge amplifiera tes hanches. Et bien que l'une de mes clientes l'ait commandée, je lui ai dit... Est-ce que tu m'écoutes au juste? Bien sûr que j'étais coach, tu as dit qu'il n'était pas encore entré jusqu'à 23 heures passées, n'est-ce pas? Oui. Il a dit que c'était... un dîner d'équipe, une réunion ou peu importe. J'ai comme l'impression qu'il mentait. Là, ça devient sérieux. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai suggéré? Oui. Mais il n'a pas toujours changé. Il décroche toujours ses appels secrets. Peut-être que tu as raison. Clarisse, tu as raison. Nous devons faire quelque chose. C'est ce que je n'ai pas arrêté de te dire. Mais tu crois que j'hallucine? Alors comment faire pour qu'il arrête? Tu ne peux pas dire avec certitude qu'il te trompe parce que tu ne l'as pas pris la main dans le sac. Je ne peux pas attendre de prendre la main dans le sac. Les signes sont évidents. Dans ce cas, allons à l'étape 3. Oui. Salut, bébé. Bienvenue. Ton repas est sur la table.
ne m'a rien demandé par rapport au contrat. Désolée, c'est juste que... Ce mec est drôle. Tu disais quelque chose à propos des contrats? Bien sûr que oui. Tu ne m'écoutes pas. Bien sûr que oui. Excuse-moi. Ce mec est trop drôle. Tu sais quoi? Ça, c'est la chose la plus belle qu'on m'ait dit. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. À qui elle parle à cette heure? Bébé? Oui, mon amour. Est-ce que tu peux me donner quelques minutes de ton temps? Je veux qu'on parle de quelque chose nous concernant. Je t'écoute. Franchement, je ne veux pas que cette conversation attire la violence. Je veux juste qu'on parle de nous. Ok, qu'en est-il de nous? Eh bien, je crois que je mérite de savoir avec qui tu es en train de parler en ce moment. Avec qui tu causes, avec qui tu fais des très longs appels. Ah, c'est mon ami. Un ami très proche. Un ami? Alors, est-ce que je le connais? Non. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Pourquoi veux-tu absolument connaître son nom? Je te demande pas les noms des filles que tu appelles ou que tu rencontres, n'est-ce pas? Des filles? Bébé, je te l'ai dit maintes fois. Les appels que je fais sont strictement pour les affaires. Ok. Eh bien, tu n'as pas du tout besoin de son nom. Il est mon ami, et puis c'est tout. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Tu sais l'heure qu'il est? Bonsoir. D'où viens-tu?
D'où viens-tu souvent à cette heure? Ne me dis pas ça, Madame William. D'où est-ce que tu viens? Et je viens de te le dire. D'où viens-tu quand tu rentres aussi tard? Du travail. Tu l'as, ta réponse. Ton bureau ferme à 17h. Le tien ferme à 18h. Et tu rentres à 23h. Je suis sûre que ce ne sont pas des embouteillages. Est-ce que tu peux arrêter tous ces... Ouais. Allô? Bébé, il faut qu'on parle. Tu as entendu ce que je viens de dire? De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Franchement, j'ai constaté des changements dans ton comportement. Et ça m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, tu es posé et demain, tu es agité. Je veux juste savoir ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il y ait de changement à mon comportement. Ok. D'abord, tu as commencé à m'accuser de découcher. Puis tu as arrêté de me parler, tu as arrêté de me faire à manger. Et tout à coup, tu es devenue subitement gentille. Et maintenant, je ne sais pas. T'es sûr que ceci ne se passe pas dans ta tête? Je suis sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Et rien. Tu sais que c'est un mensonge. Est-ce que tu me trompes, Williams? Dis-moi la vérité. Je veux simplement la vérité. Ne me dis pas ce que tu crois que je vais entendre parce que tu as peur de me blesser. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Ne me mens pas. C'est pas ce que je fais. Je ne mens pas. Écoute, je t'aime. De tout mon être. Tu viens en premier dans ma vie. Je n'ai même jamais eu l'idée de te tromper. Pas même une fois. Je savais que t'allais me mentir. Bébé, bébé. Bébé. Bébé, crois-moi. Je ne suis pas en train de te mentir, je t'aime. Et rien sur cette terre ne pourra se rapprocher du sentiment que j'ai pour toi. Vas-y, décroche. Ce n'est pas important. Bébé. Bébé. Allô, Nancy, qu'est-ce qu'il y a? Désolée de vous appeler aussi tard, monsieur, mais vous n'avez pas envoyé les documents pour la présentation de demain. Je vais le faire quand j'en aurai terminé. J'en ai besoin, comme ça je... T'es devenue sourde? J'ai dit que j'allais l'envoyer quand j'en aurais fini. Bébé, je suis désolé pour ça. Laisse-moi tranquille. Bébé, je... Laisse-moi tranquille! Clarisse, je veux juste que tu saches que je t'aime. Et je vais te le prouver. Thank you.
Il passe maintenant ses journées à la maison. Ça allait, encourageant. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il ne me trompe pas. Peut-être que je devrais me débarrasser de toutes ces idées et lui faire confiance. C'est juste que... quand je pense à ce que ma mère a traversé, quand notre père nous a abandonnés pour cette citadine, j'ai eu peur que ça pourrait m'arriver. Chérie, tu ne dois pas laisser ton passé déterminer ton futur. Ton mari t'aime. Tu dois lui faire confiance. D'accord? Et ça suffit. Ça suffit avec le fait de vouloir le rendre jaloux pour le pousser à confesser. C'est puéril. Ok? J'imagine que t'as raison. Enfin, nous sommes sur la même longueur d'onde. Dégage. Oh mon Dieu. Ah, mon ami, t'es-tu? Je suis désolé. J'avais beaucoup de travail au bureau. Bébé, je t'ai dit que j'étais désolé. Il y avait beaucoup de travail. Félicitations d'être l'homme le plus travailleur du bureau. Bébé, attends. N'oublie pas qu'on doit aller voir maman à 17h. Fais-moi confiance, je vais pas louper ça. Je vais pas oublier, je serai de retour avant que tu ne le constates. Okay. Bébé, il fallait voir ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ma voiture m'a lâché après que je sois arrivé à... Je veux divorcer. Quoi? Je ne peux plus supporter tout ça. Tu n'es pas en train de m'écouter. Arrête de parler, ok? Ok? Je sais comment ma mère a souffert quand mon père nous a abandonnés et il s'est enfui avec son ex. Je sais à quel point la vie était misérable pour ma mère. Alors je ne suis pas prête à me soumettre à cette même agonie. Tu ne peux pas continuer à me mentir quand je sais déjà, je vois les signes. Alors nous allons faire comme ça, comme deux adultes. Je veux divorcer. À l'amiable. Bébé, je ne... Tu sais quoi? Bonne nuit. Clarisse. Clarisse.
Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas décider d'arrêter ce qu'on a, ce qu'on partage. Ce n'était pas important pour toi. C'est important pour moi. Je t'aime. Alors explique tes rentrées tardives, tes appels secrets. C'est le boulot. C'est juste le travail et rien d'autre. Je n'ai pas terminé, William. Écoute. Je te donnerai ce que tu as toujours voulu. La liberté d'être avec qui que tu vois en secret, ok? Je ne vois personne hors de ce mariage. Pas du tout. Ton avocat m'a appelé. Je vois. Je croyais que cette affaire de divorce était une farce, mais tu vas trop loin. Je t'en prie. Je ne suis plus prête à avoir encore cette conversation. Oh. Alors je ne te donnerai pas ce que tu veux. Tu n'obtiendras pas de divorce. Tu ne me feras pas faire ce que je ne veux pas. Tu me donneras cela, parce que je ne suis plus prête à passer une année de plus dans ce mariage, sachant que tu couches avec d'autres femmes. Je ne vais pas divorcer de ma femme. Point. Bébé, tu n'as pas fait de petit déjeuner. Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Je vais à la gym pour voir mon coach personnel. Depuis quand est-ce que tu vas à la gym? Bébé? J'espère ne pas perdre une jambe après ces exercices. Ne prête pas attention à moi. Alors, maintenant que tu es là, je dois plus me concentrer sur ton ventre. Je sais, n'est-ce pas? Plus de repas tardifs. Tu dois manger la peau à partir de minuit. Écoute, la peau, la bière, l'endomie dans la nuit. Voilà ce que tu vas commencer à manger. Ok. Donc, d'accord. En faisant cela, tu vas... Ok, mais si tu me le permets, dans ce cas, je pourrais manger des pizzas ou des crèmes glacées. La pizza, peut-être à partir d'une heure. Mon Dieu. Pendant la nuit, assure-toi de te relever. Oui. Tu bois de la bière. D'accord, et bien sûr, tu dois travailler sur ton corps. Oui. Tu dois le faire. Je veux diminuer ce ventre. Oui. Je veux quelques abdos. Tu dois t'efforcer, ok? Ouais. D'accord. Très bien. Merci. Tu es prête à partir? Ouais. Tu as l'esprit qu'il faut je pour ça. Je suis déjà prête. C'était qui ce mec? C'est qui le type qui t'a déposé? Ça ne te regarde pas. Ce sont mes affaires parce que tu es toujours ma femme. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Toi et moi, c'est terminé. Mon avocat va t'envoyer les papiers du divorce.
Hey, salut, monsieur William. Bonjour, comment tu vas? Bien, ça fait un bail. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Désolé de te déranger pendant ton heure de travail. Est-ce que tu peux m'accorder une minute, là? Bien sûr, pourquoi est-ce pas. Est-ce que tu as été en contact avec ton ami? Est-ce que tu as vu récemment ma femme? Oui, j'espère qu'il n'y a aucun problème. Il y a quelque chose que je voulais te dire, quelque chose que je voulais en parler avec toi. Ok. S'il te plaît, parle à ma femme, elle veut divorcer de moi. Franchement, je suis vraiment désolée de ce qui se passe. Je ne savais pas qu'elle avait demandé le divorce, mais je vais faire comme tu me l'as demandé. C'est bon, merci beaucoup. S'il te plaît, parle-lui, je l'aime énormément. Je ne la trompe pas. Et je ne le ferai jamais, c'est juste que mon travail requiert mon attention et mon temps 24 heures. Alors ça prend beaucoup de temps et elle croit que j'en profite pour voir quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, je vais te laisser repartir dans ta boutique, je vois que vous fermez déjà. Oui, oui, il se fait déjà tard. Ça se passe bien, n'est-ce pas? Bien sûr, fais attention à toi, ouais, d'accord? Merci. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Bonté, t'es tellement un vilain garçon. Ah. Oh. Arrête ça. Je dis d'arrêter, ok? Je te dis d'arrêter ça tout de suite. Ah ah, vraiment? Ah, ça me revient. Pourquoi m'as-tu fait un message de t'appeler à 7h de la nuit, après que je t'ai dit que ton mari venait de quitter ma boutique? Tu aurais dû voir sa face. Attends, ma puce, tu as fait ça pour le frustrer? Je lui ai montré le feu récemment parce qu'il le mérite. Vas-y doucement, ma puce. Il a l'air vraiment blessé. Oui. Qui est sans souci? Il n'arrête pas de rentrer tard. Il ne veut pas arrêter de voir peu importe qui est cette fille. Alors? Ne crois-tu pas que tu vas un peu trop loin? Et si en fin de compte, il est innocent? Meuf, si un homme trompe, alors tu verras les signes. Honnêtement, je n'ai plus envie d'être mariée avec cet homme infidèle. Ma chérie, les hommes bons sont difficiles à trouver. Oui. Et tu ferais mieux d'arrêter cette requête pour le divorce avant de te blesser. Ne détruis pas ton bonheur. Ne le fais pas. Je t'en prie. Et je te dirai que je t'avais prévenu. Je t'en prie. Ok. Je sais ce que je fais alors. Pitié, épargne-moi ça. Je dois aller cuisiner. Mais tu ne cuisines plus pour lui, non? Fous le camp, je fais ce que je veux.
Bébé. Bébé, franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais je suis désolé. Tu es désolé? Il n'y a aucune raison d'être désolé. Il y a toutes les raisons d'être désolé. Quelque chose ne va pas dans mon foyer. Tu as changé. Ça, ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Est-ce que tu es prêt à admettre que j'ai raison? Que tu vois quelqu'un d'autre? On se fait. Bébé, je ne vois personne en secret. Je ne peux... Alors attends-toi à voir l'avocat avec les papiers du divorce demain. Bébé... Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Nancy, et je suis ici parce que je veux vous parler personnellement. Nancy, je t'ai dit de ne pas venir ici. Je t'ai dit que j'allais m'occuper de ça. Je le devais. Vous deviez faire quoi? Je suis ici pour vous voir. En fait, je veux vous parler. Puis-je m'asseoir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, madame. Madame, votre mari parle beaucoup de vous. Il n'arrête pas de faire vos éloges au bureau. En fait, nous sommes des coéquipiers. Moi, je gère la statistique et lui, il est chargé de gérer la politique de l'entreprise. Alors, la plupart du temps, nous travaillons en équipe. Je vois. Il a muté vos appels pendant qu'il était en conférence. Quand j'ai vu votre nom sur le téléphone, j'ai décidé de décrocher l'appel. En vue de vous faire savoir qu'il est avec un client et qu'il ne peut pas parler pour le moment. Mais vous avez raccroché. Vous n'avez même pas daigné dire un mot. Et j'étais certaine. J'ai ressenti que vous étiez en colère et que cela n'était pas bon. Madame, je suis une femme mariée heureuse. Et je vous souhaite également un heureux mariage. Votre mari est un homme déterminé. Un homme digne de confiance, c'est l'un des meilleurs employés de notre service. Il vous aime énormément. C'est un homme de principe, le meilleur employé que nous avons. Il ne cesse de chanter vos louanges, à tout moment, même pendant les pauses. Il vous a poussé à faire ça? Non! Il vous a en fait envoyé ici. Pour que vous veniez vomir tout ça? Non, madame, je vous en prie. Cela fait quelques semaines qu'il se fait très discret. Aucune concentration dans ce qu'il fait. Je lui ai demandé ce qui ne va pas. Il n'a rien voulu me dire. Il est resté silencieux jusqu'à la perte de notre contrat. Notre patron a menacé de le virer après cela. Attends une minute. Tu as failli être viré? Et après cela, il m'a tout raconté. Madame, je ne sais pas absolument tout ce qui se passe. Je ne peux pas m'insérer dans votre famille ou encore dans votre vie. Tout ce que je sais, c'est que votre mari vous aime énormément. Il vous aime malgré ce que vous faites, je vous en prie. Il a besoin de concentration. Parce qu'il est sur le point de perdre son boulot. Et tout ceci à cause d'une demande de divorce. S'il vous plaît, quittez ma maison. Madame... D'ailleurs! Bébé! D'ailleurs! Nancy? Nancy, je te verrai au bureau. Madame, je suis venue en paix. Écoutez-moi, peu importe la situation, je vous en prie, calmez-vous.
Votre mari est sur le point de perdre son travail. Je vous en prie. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre foyer. Je ne veux pas m'initier dans votre couple ou alors dans votre vie. Mais je suis certaine d'une chose, votre mari vous aime énormément. Malgré tout ce que vous lui faites, je vous en prie. Il a besoin de concentration. Parce qu'il est sur le point de perdre son boulot à cause d'une demande de divorce. Il ne voulait même pas que je vienne, mais je me suis sentie obligée d'être là. Madame, je vous en prie, de grâce, ne le laissez pas perdre son boulot. Il a failli perdre son travail à cause de moi. Je n'arrive pas à croire que je l'ai poussé aussi loin avec mes suspicions. Oh mon Dieu, je me sens comme une idiote. Je n'aurais pas dû me comporter de cette façon. J'aurais dû être calme. Et je t'avais demandé d'être patiente avec lui parce qu'il pourrait être sous pression au bureau. Ce qui me fait le plus mal est que j'étais tellement convaincue par ses idées qu'il me trompe. Il a dû parler à une étrangère, une inconnue, pour qu'elle vienne me parler. J'étais convaincue que c'était une scène montée. Et c'est mal. Franchement, j'ai honte. Je n'arrive même plus à le regarder. Je me sens mal. Tu vois, je suis vraiment mal comportée. Je t'avais demandé de rester calme. Je t'avais demandé d'être patiente, mais tu ne m'as pas écoutée. On n'accuse pas un homme de tromperie, surtout quand tu n'as pas des preuves. Pour ne pas parler de ton propre mari. Je pensais... Tu pensais à quoi? Arrête de penser et fais ce qui est juste. Attends, c'est quoi la date aujourd'hui? C'est le 22. Pourquoi est-ce que tu demandes? Non. Clarisse, non, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon avocat apporte les papiers du divorce aujourd'hui. Tu veux dire qu'après cette visite, tu ne leur as pas demandé d'annuler? Oh mon Dieu, cette fille, tu vas me tuer! Clarisse! Il ne répond pas. Rappelle. Rappelle-le. Ok, je te revois plus tard. Au revoir, merci. Je suis tellement déçue par toi. Allô, Madame Liam? Ouais, je suis derrière devant le portail. Pardon? Oh, ok. Pas de souci. D'accord. Maître Jude? Bonjour, Monsieur Williams. Elle était sérieuse.
Est-ce que je peux au moins entrer? Alors, monsieur William. Désolé, maître Jude. Avant de continuer, j'aimerais mettre un point au clair. J'aime vraiment ma femme. Et je ne ferai rien. Je veux dire, je ne ferai jamais. Je dis bien jamais quelque chose pour la blesser. Ma cliente, votre femme, a clairement déclaré qu'elle veut sortir de ce mariage. Je dois faire ce qu'elle veut. Et je suggère qu'on ne rende pas ce processus encombrant. Ce sont les demandes de votre femme. Elle les a énumérées comme ça pour accélérer le processus. Nous ne voulons pas que ça se termine en justice, n'est-ce pas? Cher William, l'amour est une chose tellement délicate et j'ai failli détruire le nôtre. J'étais très suspicieuse parce que tu es devenue très occupée par le travail et je me sentais négligée. Je croyais que tu étais tombée amoureuse d'une autre et utilisais le travail comme excuse. Mais maintenant, je comprends mieux. Ceci est censé être un divorce, mais je vais plutôt le rendre un arrangement de notre réconciliation. Je t'aime beaucoup au point de ne plus vouloir te traiter comme je l'ai fait. Et je suis vraiment de t'avoir mis dans tant de douleurs inutiles. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, bébé. Je veux une nouvelle ère. Et ton assurance que tu m'aimes encore, comme au début. Je suis désolé, moi aussi. Tu sais, rien n'a jamais changé, en fait. Je suis vraiment désolé de tout ce que je t'ai fait traverser. Je t'aime tellement. Je ne peux pas supporter de te perdre. Eh bien, je suis ravi que vous ayez changé d'avis, Madame Williams. Désolée de vous avoir stressé, maître. C'est bon. En fait, ce que je viens de voir là est très beau. Ne le détruisez surtout pas. Que ça dure jusqu'à l'éternité. Eh bien, je dois partir. Non, maître. Je pense que... Laissez-moi vous offrir quelque chose. Il nous faut une boisson pour... calmant cette tension que vous avez créée. Ok. J'ai failli faire une crise cardiaque. Aussi, s'il vous plaît, reprenez vos documents. Ok. Wow. Vous êtes vraiment mignons tous les deux. Merci. Tout ira bien maintenant, n'est-ce pas? Oui. J'apprécie. Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Thank you.
suffit, arrête. Arrête. Salut, bébé. Je croyais que t'allais rentrer plus tard que ça. Qu'y a-t-il? J'ai manqué de fêter l'anniversaire de notre mariage la dernière fois. En fait, je suis rentrée tôt pour nous. Comme ça, on pourra avoir les meilleurs moments de notre vie. Tu partais prendre un bain? Oui, je vais crier. Après toi? Je suis toujours malade. Ma lady. Tu viens avec moi, on va se toucher. Ouais, je veux prendre un bain moi aussi. Tu n'as pas besoin de me faire confiance. Non, laisse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Hey.